Messieurs, c'est-à-dire, écoute. I'm using sacrifices. Wenn der Teufel zu Sünde verwendet, um mir alles wegzunehmen, habe ich die Macht, alles zu verändern, diese Sünde zu verändern, la neige. Und Amen. Weiß, wie Schnee et si ça devient comme la neige, je ben crois. Weiß, wie Schnee maintenant, kommt, le diable n'aura pas le moyen de voler tout ce que tu as. Esaïe 1, à partir du verset 18, nous allons lire. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Seigneur Jésus, merci pour cette parole. Laisse que chacun de nous ait le cœur disposé, préparé à recevoir les oracles de l'Éternel. Et que chacun soit béni aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que nous avons quitté nos maisons pour venir ici. C'est pour être béni. Être lavé. Le fait même qu'on écoute la parole de Dieu, on est béni, on est lavé, Seigneur. Que chacun reçoive, Seigneur, son rhéma et que ton nom soit glorifié dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons nous asseoir, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec des fêtes. Nous allons étudier aujourd'hui la fête de trompette, la fête des expiations. Und wir werden heute über das Fest der Büße sprechen. La fête des expiations, on appelle aussi ce qu'on appelle Yom Kippur. Das ist auch das, was sich Yom Kippur nennt. Si tu, on écrit souvent Yom Kippur. Man schreibt oft Yom Kippur. Si tu vois ça, l'internet, c'est la fête des expiations. Es ist das Fest der Büße. Yom Kippur. Yom Kippur. Yom Kippur est les jours les plus saints. Yom Kippur ist der heiligste Tag. Pour les Juifs. Für die Juden. Mais quand ça va, on va fêter la, ou bien la fête là va arriver, l'Église ne sera plus dans le monde. Aber wenn dieses Fest stattfindet, wird die Kirche parce nicht mehr auf der Welt. La fête des trompettes. Weil dieses, wenn das Fest der Trompete stattfindet oder die Trompete ertönt, steigt die Kirche. Alors les Juifs, donc le monde reste. Und die Welt bleibt. L'Église ne sera plus dans le monde. Die Kirche wird nicht mehr in der Welt sein. Maintenant, la fête des Yom Kippur, la fête des expiations. Das Fest der Büße wird dann stattfinden. Et ça va concerner plus les Juifs. Und es wird vor allem die Juden betreffen. Et aussi des Nations. Und auch Nationen. Ouais, aussi des Nations. Auch Nationen. Alors, là, on voit que les grands prêtres, parce que pendant les jours des expiations, des Yom Kippur, während Yom Kippur stand, les grands prêtres, Aaron, dans les temps, im Tempel, dans les temps de Aaron, zur Zeit Aarons, les jours de Yom Kippur, an diesem il entrait dans les temples, ist in den Tempel gegangen. Là on entre dans les lieux très saints, dort geht man in den sehr heiligen Ort, on entre là seulement une fois. Dort geht man nur einmal. Et c'était seulement les grands prêtres qui étaient permis d'entrer là. Und es war nur der hohe Priester, der erlaubt war, dort einzutreten. Il entre avec le sang. Er geht dort rein mit dem Blut. Pour que les péchés de tout le peuple, toute la nation. Damit die Sünde der ganzen Nation. Soit pardonnée. Vergeben wird. Ouais. Donc, la différence entre der Unterschied Pâques zwischen Ostern et Yom Kippur. Und Yom Kippur. Là, il y a toujours le pardon du péché. Da gibt es immer eine Vergebung der Sünde. Mais Pâques, aber c'est le pardon du péché pour tout le monde. Ist ein Vergebung der Sünden für die ganze Welt. Tout le monde qui croit en Jésus-Christ, jeder, der an Gott glaubt, ist gerettet. Mais Yom Kippur, là, aber Yom Kippur, c'est le grand prêtre
ist der hohe qui prend les sangs qui ont dans le très saint pour le pardon du péché du peuple, die Vergebung der Sünde des Volkes, für das jüdische Volk, nations aussi comme tel. Und auch für die Nationen. Yom Kippour. Le grand prêtre entre dans les temples. Der hohe Priester geht rein in den Tempel. Il présente le sang. Er präsentiert das Blut. Et il va sortir. Und er kommt wieder hinaus. Quand il sort, wenn er hinauskommt. Donc Dieu a accepté l'offrande. Hat Gott die Opfergabe angenommen. Mais Aaron n'est plus. Donc nous voyons les grands prêtres qui sind der hohe Priester. Et entré dans le temple maintenant c'est Jésus. Der in den Tempel hineingegangen ist nun Jesus. Quand Jésus est ressuscité des morts. Als Jesus von den Toten auferstanden. Il est sorti pour nous. Ist er herausgekommen für uns. Du Tempel. Aus dem Tempel. Ça veut dire que Dieu a accepté l'offrande. Gott hat die Opfergabe akzeptiert. C'est pourquoi toi et moi. Deswegen sind nous du avons und le salut. Die Errettung. Mais pour les Juifs. Aber für die Juden. Jésus n'est pas encore sorti du temple. Ist Jesus noch nicht aus dem Tempel herausgekommen? Donc Jésus est toujours comme Jesus grand prêtre, il est toujours noch dans le temple. Als hoher Priester im Tempel. Et il va sortir du temple. Und er wird aus dem Tempel herauskommen. Les jours de Yom Kippur. An dem Tag des Yom Kippur. Des expiations. Am Tag der Büße. À la fin de la tribulation. Am Ende der schweren Zeit. Jésus, le grand prêtre, va Jesus, sortir der große, temple. Der hohe Priester wird aus dem Tempel herauskommen. Et il va se présenter auprès des Juifs. Und er wird sich vor den Juden präsentieren. C'est là où on dit que on va les reconnaître avec par les plaies, c'est-à-dire les trous là qui sont dans les mains. Man sagt, man wird ihn erkennen an den Verletzungen, die er an den Händen hat. Ah, c'est lui, notre Messie que nous avons tué. Er ist unser Messias, den wir getötet haben. Donc pour les Juifs, les grands prêtres qui étaient entrés dans le temple n'est pas encore sorti. Für die Juden ist der hohe Priester, der in den Tempel hineingegangen ist, noch nicht rausgekommen. Il est déjà sorti. Il est ressuscité des morts. Ist er schon hinausgekommen? Er ist von den Toten aufgestanden. Il est monté et il a été béni. Und wir sind gesegnet. Mais pour les Juifs, aber pas für Juden encore. Noch nicht. Donc ça va venir. Also wird es kommen. Et ils vont les reconnaître et ils vont avoir. Und sie werden ihn erkennen. Donc le Yom Kippur, c'est un jour qui a beaucoup de signification. Ist ein Tag, der viele Bedeutungen hat. C'est le jour de fermeture des livres. Fermeture, hein, Schließung. Es ist ein Tag der Vergebung. C'est le jour de vengeance. Ein Tag c'est le jour des rassemblements. Il y a beaucoup de significations. Es gibt viele Bedeutungen. Je ne vais pas lire tout ça. Ich kann es nicht alles mais vorlesen. Aujourd'hui, nous allons aber parler du jour de pardon. C'est über den Tag der Vergebung. C'est le jour de pardon. Es ist auch ein Tag der Vergebung. C'est le jour de pardon du péché. Es ist auch ein Tag der Vergebung der Sünde. C'est le jour où Dieu traite le problème de péché. Wo Dieu traite le problème de péché. Ja. Es ist ein Tag, wo Gott auch die Sünden der anderen Menschen behandelt. Alors, mon frère, ma soeur, mein Bruder, si meine tu Schwester, es ici, wenn du hier bist, tu es en train de lutter avec un problème. Und du bist dabei mit einem tu es en train de lutter avec un péché. Du bist dabei mit einer Sünde zu kämpfen. Un péché. Eine Sünde. Quelque chose qui est en train de te déranger dans la vie. Etwas ist dabei, dich zu stören in deinem Leben. Une faiblesse. Eine Schwäche. Un mal etwas Schlechtes dans ta vie, in deinem Leben, en tant que chrétien, als Christ, tu ne peux pas laisser ça, und du kannst es ou nicht lassen, tu as du mal à abandonner oder ça. Du hast Schwierigkeiten, et c'est das bon, le salaire du péché, c'est la mort. Und, le salaire du péché, c'est la mort. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Donc, chacun de nous a quelque chose. Jeder von uns hat irgendetwas. Le péché amène la culpabilité. Die Sünde bringt Schuldgefühle mit sich. Le péché amène la peur. Und Angst. Le péché amène la malédiction. Und ein Fluch. Le péché détruit des relations. Und zerstört Beziehungen.
Un mal détruit tes relations. Etwas Schlechtes zerstört Beziehungen. Les péchés ferment les portes dans tes Die Sünde verschließt Türen in deinem Leben. À cause d'un mauvais caractère. Aufgrund deines schlechten Charakters. Aufgrund deiner Sünde oder einer Lüge. Si c'est la colère. Oder ob si c'est l'orgueil. Si c'est la brutalité. Die Arroganz ist oder die Brutalität. C'est un mal. Etwas Schlechtes. Un péché. Eine Sünde. Mais ça détruit ta vie. Ça dérange ta vie quelque part. Es zerstört dein Leben irgendwo. Dass du nicht weißt, dass es dein Leben zerstört. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. J'ai une bonne nouvelle pour ich toi. Habe eine gute Nachricht für dich. La bonne nouvelle est que die gute Nachricht ist, Dieu pardonne Gott vergibt tes péchés, deine Sünden, si tu te repens. Wenn du dich bekehrst. La bonne nouvelle est le point que die gute Nachricht und den ersten Punkt, den ich euch gebe. Dieu pardonne mes péchés, Gott vergibt meine Sünden, si je me repens. Wenn ich mich bekehre. Tu as fait mal. Du hast was Schlechtes getan. Tu es dans le mal. Parfois tu te demandes comment tu peux sortir. Manchmal fragst du dich, wie du da rauskommen kannst. Tu as la culpabilité. Manchmal hast du Schuldgefühle. Warum bin ich so? Et les gens te condamnent. Pourquoi tu es comme ça? Und die Menschen beschuldigen dich. Warum bist du so? Warum bist du so? Et quelque chose qui dérange ta vie. Etwas, das dein Leben zerstört. Jésus qui peut t'aider dans ça. Es gibt nur Gott, der dir darin helfen kann. Alors la bonne nouvelle. Die gute Nachricht. Qui est un point que je te donne. Der Punkt, den ich dir gebe. Dieu pardonne tes péchés. Deine Sünden. Si tu te repens. Wenn du dich bekehrst. Est-ce que je peux entendre les Amen? Amen. Peut-être tu es là, tu luttes contre quelque chose. Vielleicht bist du da und kämpfst gegen etwas an und du weißt nicht, wie du da rauskommen wirst. Mais si seulement tu peux te repentir. Aber wenn du dich nur bekehren kannst. Confesser cela. Wenn du nur, si seulement wenn tu peux dire Jésus, aide-moi. Regarde, je suis tombé dans ça. Regarde ce que je fais dans ma vie. C'est pas juste, c'est pas bon. Aide-moi. Pardonne-moi, Jésus. Je te dis, Jésus va pardonner ces péchés-là. Amen. 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 Jésus va pardonner cette faiblesse-là. Jésus va pardonner ces péchés-là. Est-ce que on peut encore nous projeter Ésaïe 1:18? Ésaïe 1:18. La Bible dit dans Ésaïe 1:18 que. Die Bibel sagt in Jesaja 1:18. Même si tes péchés devenaient rouges comme le cramoisi. Auch wenn deine Sünden rot wie Scharlach werden. Même si tes devenaient rouges comme la pourpre. Oder lila wie Purpur. Je peux rendre cela blanc comme la neige. Ich kann es weiß machen wie Schnee. Je peux rendre cela blanc comme la laine. Ich kann es wieder weiß machen wie Leine. Regardez ce que Dieu est en train de te dire. Schaut euch an, was Gott dir weiß. Les péchés amènent la mort, les troubles, die Sünde bringt den Tod und Schwierigkeiten für das andere. Aber Gott verspricht dir und sagt, auch wenn deine Sünde rot wie Scharlach werden, aber ich habe die Macht, dein Leben zu verändern. La neige. Ich habe Amen. Gemacht, dein Amen. Leben zu weiß und schön werden. Dieu qui a ce wir haben Gott, der diese Macht hat, der die Macht zu haben, uns aus dem Schlechten rauszubringen. Car le péché tue. Da die Sünden umbringen. Si le péché tue, ce n'est pas une bonne wenn chose die pour Sünde toi et moi. Tötet mais Dieu dit, tu peux sortir de cela. Gott sagt, du kannst c'est un problème qui est dans le monde. Es ist ein Problem, nous sommes confrontés à ces problèmes. Le péché, les problèmes, Sünde, la colère, la haine, les péchés, le mal. Die Sünde, il est là dans le monde. Es ist da mais der Welt. Ça ne doit pas te dominer jusqu'à la mort. Aber es darf Jésus te dominieren bis zum Tod. Je suis capable de pardonner cela. De transformer cela, und es zu verändern, que ça devienne blanc comme la neige. Amen. Weiß, Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus Christ? Applaudissez s'il vous plaît, parce que les péchés tuent. Les péchés tuent. Si Satan veut te voler, tout wenn ce qu'il peut voir te voler, kann, was il va utiliser tous les péchés. Wird immer die Sünde c'est par les péchés qui veut te voler l'argent, c'est par les péchés qui veut te voler le mariage, c'est par les péchés qui veut te voler la santé, c'est par les péchés qui veut te voler le ministère. Die Sünde, quand tu commets les péchés, tu commets les péchés. Wenn du Sünde begehst, tout ce que tu as comme besoin. Nimm dir dafür alles weg, was du brauchst. Mais Jésus te dit, écoute. Aber Jesus sagt, si Satan utilise les péchés pour wenn der Teufel die Sünde verwendet, um mir das alles wegzunehmen, habe ich die Macht, alles zu verändern, diese Sünde zu verändern. La neige, und Amen. Weiß, et si ça devient comme la neige, je wenn es weiß, wie Schnee maintenant, kommt, le diable n'aura pas le moyen de voler tout ce que tu as dans ta vie. Mon frère, ma soeur, alles weg, tu vas garder ton mariage. Est-ce que c'est mauvais de garder son mariage? Schlecht, seine Ehe Amen. Amen. Est-ce que c'est mauvais de garder son mariage?
Est-ce que c'est mauvais de garder sa santé? Est-ce que c'est mauvais de garder sa finance? C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne chose. Et regarde la bonne nouvelle que Jésus te donne. Il dit ce que moi je peux faire. Va faire en sorte que toi tu gardes ton mariage. Rendre le péché qui était rouge devenir blanc la neige. Alléluia. Et cela s'est passé le jour de Yom Kippour. Und das hat sich passiert an dem Tag, an dem Fest der Büße. Il a le pouvoir de le rendre comme. Er hat die Macht, sie wieder weiß zu machen wie Schnee. Mais je vais te dire une chose, mon frère, ma sœur. Le mal ne deviendra jamais blanc. Wird niemals weiß werden. Le noir ne deviendra jamais blanc. Das Schwarz wird auch niemals weiß werden. Ou bien le rouge, le péché deviendra jamais blanc. Wird niemals weiß werden. Si tu ne confesses pas. Wenn du nicht bekennst. Ne dis pas que non, le temps va faire en sorte que on oublie. Sage nicht, die Zeit wird dazu führen, dass wir vergessen werden. Non, non. Die Zeit wird kommen, das ist ein mensonge démoniaque. Nein, tu n'as pas envie d'accepter ces mensonges-là. Du hast keine si Lust, tu veux garder tes biens, si tu veux alles, te bénir, hast, le temps ne changera rien. C'est Jésus qui change la situation. C'est Jésus qui transforme le péché rouge en blanc comme la neige. C'est pas la confession, c'est pas la repentance. Alors, mon frère, repens-toi. Also, mein Bruder, bekehre dich, meine Schwester, bekehre dich. Si tu as un mal, wenn du was Schlechtes hast, quel est le mal qui est en train de was ist das Schlechte, das dein Leben stört? Et ce n'est que par la confession. Es ist nur durch die Bekennung. Dieu dit, Gott je sagt, vais le rendre blanc comme ich werde sie wieder weiß machen wie Schnee. Donc vous voyez que là, Dieu choisit d'oublier les péchés. Gott entscheidet sich dazu, die Sünde zu vergessen. Dieu choisit d'oublier les péchés. Er entscheidet sich dazu, die Sünde zu vergessen. Donc, le pardon, c'est un choix. Die Vergebung ist eine Entscheidung. Est-ce que je peux entendre les Amen? Amen. Amen. Pasteur, tu sais ce qu'il m'a fait, je ne peux pas pardonner. Toi, si tu savais ce qu'il m'a fait, je ne peux pas. Mon frère, ma soeur, je sais que la méchanceté peut être sur tout le frère de l'église. Le soeur de l'église peut être si méchant. Oh, mon frère, c'est terrible. Si méchant même que les païens. C'est bizarre. Et même les païens, s'ils te font du mal, même déjà sogar die Heiden, wenn sie dir Schlechtes antun. Le pasteur, tu sais ce qu'il m'a fait, je ne peux pas pardonner. Was er mir angetan, ich kann nicht verzeihen. Dieu a dit, Gott hat gesagt, si vos péchés devenaient rouges comme la cramoisie, les cramoisies, je peux le rendre blanc comme la neige. C'est un choix. Wenn rot wie Schallach werden, kann ich sie wieder in weiß wie Schnee umwandeln. Es ist eine Entscheidung. C'est un choix. Es ist eine Entscheidung. Alléluia. C'est quelqu'un là. Il peut être au pays. Il peut être ici à Vienne. Il peut être, je ne sais pas. Est-ce que tu es prêt de choisir? Je vais te pardonner. Jemand zu sagen, ich möchte dir verzeihen. Je vais oublier ça. Ich möchte das vergessen. Mais je veux seulement souligner une chose. Ich möchte nur eine Sache unterstreichen. Le pardon. Die Vergebung. Du péché. Die Vergebung der Sünde. Le pardon n'est pas la confiance. Die Vergebung ist nicht gleich Vertrauen. Amen. 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 Le pardon n'est pas. Donc si je te pardonne, wenn ich dir verzeihe, cela ne veut pas dire que bedeutet das nicht, tu as automatiquement ma confiance. Dass du sofort mein Vertrauen gewonnen hast. Parce que la confiance, weil das Vertrauen, ça se gagne. Muss man sich gewinnen. Le pardon, die ça se donne. Parce que c'est un ordre. Dieu dit pardon. Weil Gott sagt, vergib. C'est un ordre. Es ist eine la confiance, aber c'est gagne. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, toi qui es assis, ne blague pas avec la confiance. Mit dem Vertrauen. Ne blague pas avec la confiance. Nicht mit dem Vertrauen. Parce que tu as pris beaucoup d'arrêt. La confiance vient par rapport au temps. Le temps à côté ou bien au côté de quelqu'un ou de gens. Die Zeit, die du mit jemandem verbringst. Da baut une man confiance auf, vis-à-vis de toi. Baut ein Vertrauen donc c'est le temps que tu as mis. Zeit, à cause de rien du tout, ne détruis pas la confiance que tu as bâti, que tu as construit avec les hommes mit den Menschen, pendant beaucoup d'années et tu détruis ça pour quelque chose de rien là. Für gar nichts. Ne détruis pas ta confiance au travail.
Zerstöre nicht dein Vertrauen gegenüber deinem Chef, gegenüber deinem Freund, gegenüber der Kirche, gegenüber dem Pastor. Zerstöre nicht dein Vertrauen gegenüber dem Dienst oder Gott gegenüber. Zerstöre nicht dieses Vertrauen, weil es braucht Zeit, damit du dieses Vertrauen wieder aufbaust. Wenn du mir 50.000 Euro gegeben, verzeih ich dir, es ist gut und schön, aber glaube nicht, morgen, dass ich noch einmal zu dir kommen werde, oder mit 50 Euro zu dir kommen werde, damit du das ins Land bringst. Ich werde das nicht machen. Est-ce que vous me comprenez? Oh, Église, est-ce qu'on se comprend? Amen. Est-ce que je suis sur le chemin ou bien ça entre? Ça entre, n'est-ce pas? Tu m'as volé 50 000 euros. Tu as volé 50.000 euros. Parce que je suis chrétien. Je suis chrétien. J'ai choisi. Mais pour que je te donne 50 euros. Aber damit ich dir wieder noch einmal 50 Euro gebe. Pourquoi ces 50 euros va donner à tel? Gebe diese 50 Euro dieser Person. Ah, mais c'est question de temps. Das ist eine Sache der Zeit. Est-ce que j'ai menti? Habe ich gelogen? Ce sont des choses qui se font automatiquement. C'est question de temps. Das sind Sachen, die automatisch passieren. Ich werde dir das nicht geben. Parce que la confiance doit encore renaître. Weil dieses Vertrauen muss noch einmal aufgebaut werden. Je dois encore prendre du temps pour. Ich muss mir noch einmal die Zeit nehmen, um dir nochmal die Vertrauen zu geben. Und manchmal si sogar. La confiance, parfois même tu n'auras plus la chance d'avoir encore cette confiance là. Manchmal sogar, wenn du ein Vertrauen zerstörst, wirst du nicht mehr die Kraft dazu haben, dieses Vertrauen aufzubauen. Si tu es marié, wenn du verheiratet bist, tu trompes ta femme, und deine Ehefrau betrügt, und t'attrape avec une femme dehors, und man erwischt dich mit deiner Frau da draußen, ta femme te pardonne, und deine Frau vergibt dir. Mais elle t'a pardonné, mais il y a une chose qui doit être travaillée. Aber es muss eine Sache, die bearbeitet werden. Tu dois prouver à ta femme. Du musst deiner Frau beweisen. Qu'elle doit encore te, qu'elle peut encore te faire confiance. Dass sie dir noch einmal vertrauen kann. Ça prend du temps. Das braucht Zeit. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, ils ne sont pas des chrétiens, ils sont mauvais, ils sont méchants, ils ne pardonnent pas. Oui, mais tu ne comprends pas les choses. Aber on t'a pardonné. Mais hat dir verziehen. Tu dois nous prouver encore les temps, la confiance. Beweisen, wegen dem Vertrauen. Tu dois me prouver. Du musst es mir beweisen. Tu dois me prouver que je peux te faire confiance. Du musst uns beweisen, dass wir dir nochmal vertrauen. Tu dois encore rester auprès de moi. Du musst noch einmal in meiner Nähe bleiben. Pendant un temps. Während deiner Zeit. Et on t'observe. Damit wir dich beobachten. Amen. 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 Si tu viens dans cette église. Wenn du in diese Kirche kommst. Tu veux devenir directement modérateur, prédicateur. Möchtest du Prediger, Moderator werden? Das ist viel. Pourquoi? Warum? Pourquoi? Warum? Parce qu'on n'a pas encore confiance. Tu nous as pas encore prouvé ta confiance. Weil uns reste. C'est pourquoi je vous ai toujours dit quand si tu pars en Australie, au Congo, au Cameroun, partout, tu entres dans une église, reste là. Bleibe da. Et derrière même. Ne viens pas t'asseoir devant, derrière. Et si tu dois faire quelque chose, fais parler l'église. Ne demande rien. Reste là. Pendant que tu fais toutes ces choses, les pasteurs et les autres t'observent. De loin, sans que tu le saches, on t'observe. Et Dieu est en train de construire la confiance. À un moment donné, on va dire bon, on peut te donner ça. Il monte, la confiance monte. Oh, il n'y même pas. L'église là, il freine les gens. Non, on ne freine pas les gens. Tu viens aujourd'hui, tu viens pour que tu te donnes la chaise, ça n'existe pas, on ne te connaît pas. C'est pas que tu es démon. Non. Mais c'est normal, on ne te connaît pas. Das heißt nicht, du bist ein Dämon. On doit construire la confiance. Man muss ein Vertrauen aufbauen. Et la confiance qu'on construit là, il ne faut pas détruire ça un jour à cause d'un rien là. Und dieses Vertrauen, das man aufbaut, darf man wegen nichts zerstören. Es hat viel Zeit gebraucht, um dieses Vertrauen aufzubauen. Tu es resté avec ta femme 10 ans, 15 ans, 20 ans. Du bist mit deiner Frau 10, 15 Jahre zusammengewesen. Und wegen einem jungen Mädchen. La Bionda, vous connaissez la Bionda? Hein? La Bionda, là, donc, quand tellement tu commences à faire comme ça, et puis tu perds la tête. Et tu détruis ce que. Und ta femme a construit avec toi 15 ans. All das, was deine Frau avec la vie, à cause de la Bionda. Aufgebaut hat wegen einem jungen Mädchen. Ouais. Alors, ne détruisons pas la confiance à cause de rien du tout.
zerstören wir nicht den Vertrauen für nichts. Ça se bat, ça se construit. Et parfois, il y a des choses où quand tu détruis la confiance de quelqu'un, tu n'auras plus jamais cette chance-là. Zerstörst, wirst du nie wieder dieses Vertrauen gewinnen können. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La chrétienté, c'est ça. Das ist die Christlichkeit. C'est ça la vie de Jésus. Das ist das Leben Christi. Dieu choisit de nous pardonner. Gott hat sich dazu entschieden, uns zu verziehen. Et il choisit. C'est un choix. Es ist eine Entscheidung. Toi aussi, choisis de pardonner. Entscheide dich, jemanden zu verzeihen. Pardonnons. Verzeihen wir den anderen. Amen. Donnez le pardon aux autres. Verzeihen wir den anderen. Ne détruisons pas la confiance que les autres nous donnent. Zerstören wir nicht das Vertrauen, das andere Menschen uns geben. Amen. Amen. Et si tu détruis la confiance de quelqu'un, und wenn du das Vertrauen eines anderen zerstörst, tu as besoin du temps brauchst du noch einmal Zeit, pour reconstruire ça. Um das aufzubauen. Et parfois, tu n'auras pas ça. Und manchmal wirst du diese Gelegenheit nicht mehr Donc, haben. Nous devons faire attention avec les décisions que nous prenons. Deswegen müssen wir aufpassen ne mit den Entscheidungen, die wir treffen. Soyons pas pressés à prendre de fausses décisions, décisions irréfléchies. Haben wir es nicht eilig, Entscheidungen zu treffen, über die wir nicht nachgedacht haben? Ça coûte. Es kostet was. Es kostet sogar teuer. Ça coûte. Et nous devons faire attention avec ça. Und wir müssen damit aufpassen. Alors nous avons dit que le jour de Yom Kippur, wir haben gesagt, c'est le jour de expiation, le pardon, ist ein Tag der Vergebung, ein Tag der Büße, wo der Priester. Est-ce qu'on peut nous donner la photo de bouc là? Alors, où le prêtre entre dans la, le lieu saint Ort, avec le sang pour demander le pardon du peuple. Vergebung für das Volk zu bitten. Alors, c'est Lévitique 16, 5 à 34. Lévitique 16, 5 à 34. Allez lire à la maison. Geht und liest das auch. Vous allez voir que sehen, Dieu a dit dass Gott au gesagt prêtre, hat, dass Gott dem Priester gesagt hat, maintenant, je vous donne maintenant un parallélisme. Nun gebe ich euch einen Parallelismus. Dieu a dit, Gott hat gesagt, si vos péchés devenaient rouges comme de la, je vais les rendre blancs comme hein, la neige. Alors, ce qu'il a dit là, das, maintenant nous allons voir ça maintenant dans les temples. Wir werden es im Tempel nun auch sehen. Ce que Dieu a dit là, das, was Gott dans gesagt Isaïe, hat, in nous allons voir ça maintenant dans les temples. Wir dans sehen les temples, temple, une fois par an, les jours de Yom Kippur, einmal im Jahr, le prêtre doit aller présenter l'offrande à Dieu. Muss der Priester in den Tempel gehen und dem Gott ein Opfer bringen. On doit amener deux boucs. Man muss zwei Körbe bringen. Au prêtre. Dem un bouc, c'est pour Dieu. Et l'autre, ce sera le bouc qu'on appelle le bouc émissaire. Bringen einer für Gott und in schaut euch das an. Ça, c'est le grand prêtre. Das ist der Priester. Même si vos péchés devenaient rouges comme la cramoisie, wenn, je vais le rendre blanc comme la neige. Regardez. Le prêtre. Weiß, wie Schnee machen. Et là. Der Priester ist hier. On lui amène deux boucs. Man hat zwei Ziegen mitgebracht. Alors, son devoir, c'est quoi? Was ist seine Aufgabe? Si vous regardez bien, il y a des bandeaux ici. Wenn ihr genau hinschaut, gibt es rote Tücher. Ja. C'est le bandeau rouge comme ça. Il y en a, c'est ça. Alors, on va. Ce bandeau-là, on va lier ça sur un bouc, l'autre-là sur l'autre bouc. Mais normalement, il y avait trois bandeaux. Et also, diese Tücher werden nun an den Steinböcken gebunden. Normalerweise gab es drei. Les bandeaux rouges. Drei rote Tücher. Un pour un bouc. Eine für die andere Tücher. Pour l'autre bouc. Et l'autre bandeau, on va mettre ça sur la porte du temple. Und das andere Tuch wird man auf die Tür des Tempels hängen. Alors, le prêtre va maintenant tirer au sort. Tirer au sort. Au sort? Wählen. Wählen? Ja. Der Priester wird nun auswählen. Tirer au sort. Alors, si le sort tombe sur ces boucles-là. Ah, der Priester wird eine Münze werfen und wirft diese Münze auf die Ziege. Et le bouc sera le bouc pour Dieu.
wird es diejenige Ziege sein, die dem Gott gewidmet on wird. Va les préparer pour les sacrifier à Dieu. Man wird ihn opfern, um ihm l'autre sort qui tombe sur l'autre, und wenn das andere auf das andere fällt, émissaire. Das ist das, was ich da ein Steinbock nenne. Donc c'est dit que lui le bouc là. Diese Ziege hier. On va l'envoyer dans le désert. Und diese Ziege wird man dann in die Wüste schicken. Alors, maintenant le sort tombe sur lui là. On attache les bandeaux rouges là sur lui et puis man on fait les sacrifices tout ça. Und alles andere. Maintenant, on va maintenant mettre aussi les bandeaux sur l'autre bouc. Auch die andere Ziege bekommt ein rotes Tuch. Et quand on met les bandeaux sur lui, und wenn diese Ziege dieses Tuch bekommt, le grand prêtre vient, kommt der Priester, il met maintenant ses mains sur la tête de ce bouc émissaire. Und legt die Hände auf seinen Kopf. Et il commence à transmettre les péchés du peuple. Und beginnt nun die Sünde des Volkes auf diese Ziege. Et quand il a fini de transmettre les péchés dans sur ce bouc là. Alors on prend quelqu'un qui l'amène, qui l'envoie au désert. Au désert. Jemanden, diese Ziege, und diese Ziege wird dann in der Wüste abgegeben. Et souvent, il revenait, mais pour empêcher qu'il revienne. Aber um daran zu hindern, dass er zurückkommt. On l'amenait dans le désert. Hat man in die Wüste geschickt. Tout près d'une falaise, par exemple. Et puis on le jette dans la falaise. Falaise. Montagne. Und man hat ihn in die Berge geworfen. Ja. Il tombe là-bas en bas. Dort unten. Il meurt. Stirbt er. Et quand il tombe, il meurt. Und wenn er stirbt und dort unten ist. Le bandeau rouge. Dieses rote. Qu'on avait lié à la porte du temple. Was man an den Toren des Tempels gehängt hat. Miraculeusement. Auf devient blanc. Miraculeusement, les bandeaux rouges qu'on va, parce qu'il y a trois bandeaux. L'autre, le troisième bandeau qu'on avait lié à la porte, miraculeusement, devient blanc. Ça s'est passé comme ça. So ist das passiert. Alors quand ça devient blanc, wenn es weiß wird, c'est aussi le signe que Dieu a accepté l'offrande. Et si Dieu a accepté l'offrande, ça veut dire qu'il nous a fait quoi? Il nous a donné les pardon. Et si nous avons le pardon, nous avons quoi? La vie. La vie. La bénédiction. Tout ce qu'il y a. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il y a. Ça, c'est le c'est les versets qui expliquent ce que Dieu a dit à Isaïe. Das erklärt, même si Gott vos péchés devenaient rouges, wenn eure Sünden rot wie Scharlach werden. Et l'autre paralysme aussi, on peut, je peux vous donner. Vous connaissez. Anderes, was gleich ist. Vous connaissez. L'histoire de Barabbas. Barabbas, quand on voulait crucifier Jésus, als man Jesus kreuzigen wollte, la femme de Frau, Pilate dit à Pilate, fais attention avec ce monsieur-là. Pass auf mit diesem parce que toute la nuit, je n'ai pas dormi. Die ganze Nacht habe ich nicht geschlafen. C'est un monsieur qui est innocent. Es ist ein Mann, der unschuldig ist. Fais attention. Pass auf. Alors, Pilate était devant les marteaux et l'enclume, il ne savait quoi faire. Il dit, ok. Okay. On a l'habitude de lâcher une personne. Wir haben die Gewohnheit, die Menschen einfach freizulassen während des. Il y a un brigand. Il y a un, comment on dit, un leader de, un révolutionnaire. Es gibt einen Revolutionären. Il s'appelle Barabbas. Er nennt sich Barabbas. Il était un révolutionnaire. Il était quelqu'un qui tuait tout le monde, qui croyait qu'ils sont contre Israël, ils sont pour les étrangers. Et voyez, alors, il était vu comme un leader, un libérateur, un messie, un libérateur. Parce que les Juifs voulaient à tout prix se libérer de Rome. Juden wollten sich unbedingt ils von den Römern trennen. Ils étaient Sklaven, kolonisés par les Roms. Ils ne voulaient pas ça. Alors, tout le monde qui s'est levé avec l'esprit de rébellion pour se libérer, il était vu comme un messie. Aufstand gemacht hat, Barabbas était comme ça. Barabbas war so ein. Et d'ailleurs, son nom, c'est Barabbas, le fils du père. Und sein Name ist Barabbas, der Sohn des Vaters. Jésus aussi était le fils du père. Jesus war ebenfalls der Sohn des Vaters. Donc nous avons deux fils du père là. Wir haben zwei Söhne des Vaters. Barabbas et Jésus. Und Jesus. On dit que Barabbas s'appelait aussi Jésus. Barabbas nannte sich auch Jesus. Alors, nous avons deux Jésus là, wir haben zwei,
des messies, c'est-à-dire des libérateurs. Zwei Befreier, un vrai Jésus ein war, et un faux und ein qui était Barabbas. Der Barabbas war. Pilate dit, écoutez, Pilate sagt dazu, vous devez maintenant choisir ich kann dich nun qui dois-je relâcher. Wen soll ich wieder freilassen? Alors, ils ont intoxiqué les gens. Barabbas. Sie haben die Alors, gefragt. Ils ont tous crié fort, Barabbas. Okay? Laut, Barabbas. Pilate a dit, okay? Gesagt, ok, prenez Barabbas. Nimm Donc, Barabbas. Voyez que deux messies, ou bien messias, deux boucs, oder zwei, Ziegenböcke. Deux boucs, deux messies. Messias, Barabbas, Barabbas et Jésus. Und Jesus. Alors, quand ils ont choisi Barabbas, ça veut dire que als ich für Barabbas entschieden habe, le bouc qui était pour l'Éternel, c'était qui? Jésus. Parce qu'il devait mourir, Ziege, il devait sacrifier. Musste man opfern, hätte Alors sterben. Jésus est parti. Jesus ist gegangen. À la croix, au sacrifice. Am Kreuz. Et puis le bouc émissaire, l'autre bouc. Und die andere Ziege. Il a été fait quoi? Relâché. Wurde freigelassen. Alléluia. Vous voyez les parallélismes. Schaut euch die Ähnlichkeit an. C'était tout ça. Les choses qui parlent de Yom Kippur. Alles waren Sachen, die von Yom Kippur Mais dans tout cela, haben. Ce qui est très important, das war sehr wichtig, c'est que il y a quelqu'un dass es jemanden gibt, qui a pris nos péchés, der unsere Sünden genommen hat, qui est mort pour nous, der für uns gestorben afin ist, que toi tu sois sauvé, damit du und ich gerettet sind. Et sa mort te donne la bénédiction, und dass sein Tod dir den Segen bringt. Des péchés qui étaient rouges, deine Sünden, die sont devenus waren, blanc comme la neige, sind weiß wie Schnee geworden. Et quand les péchés sont devenus blancs, und als die Sünden weiß geworden les portes des bénédictions sont ouvertes, die Türen des Segens haben sich geöffnet. Et de la vie. Und des et de la vie éternelle. Und des ewigen, und Tout des ça grâce à Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus-Christ? Oh, applaudissons encore pour Jésus, applaudissons mon frère. Applaudissons encore pour Jésus. Jésus t'aime, mon frère. Jésus t'aime, ma soeur. Dans ton mariage, dans ta vie, dans tes relations, s'il y a un mal, s'il y a un péché, aujourd'hui, Jésus peut te dire, si tu confesses, je peux pardonner. Je peux te pardonner. Ne te culpabilise pas. La culpabilité vient du Satan. Ce n'est pas Jésus-Christ. S'il y a un péché, s'il y a un mal, si tu avais volé quelque chose de quelqu'un, si tu avais fait je ne sais quoi en cachette, si tu as un péché caché quelque part, mon frère, tu souffres, ma soeur, ça te dérange, ça te ronge. Aujourd'hui, Dieu te dit, même si ce péché-là était rouge, si tu confesses ça aujourd'hui, je vais le rendre blanc comme la neige. Je ne veux pas que tu continues dans la culpabilité. La culpabilité va te tuer. La culpabilité, c'est du diable. Ce n'est pas de moi. Je vais te sauver aujourd'hui. Je vais te libérer aujourd'hui. Tu connaîtras les fils se rendra libre. Je suis mort pour toi. Je suis le bouc émissaire. Je suis le bouc. Je suis celui qui a pris ta place. Alléluia. Alléluia. Amen. Il t'a pardonné. Er hat dir verziehen. Et sans condition. Ohne Bedingung. Pardonne aussi. Verzeihe auch. Choisis de pardonner. Entscheide dich dazu zu verzeihen. Notre Père qui est, que ton nom soit, que ton règne, que ta volonté donne-nous et pardonne-nous, il nous a pardonné. Nos offenses étaient rouges, comme la cramoisie, comme les cramoisies. Mais il a rendu cela quoi? Blanc comme la neige. Pardonne-nous, non? C'est bien de dire ça, pardonne nos offenses, mais il y a cette deuxième partie-là, c'est là où se trouve la guerre. Oh, ce pasteur, je ne peux pas le pardonner. Est-ce que tu savais ce qu'il m'a fait? Vous comprenez? Si tu savais ce qu'il m'a fait, oui, je sais qu'il t'a fait mal. Ça, ce n'est pas à discuter. Mais ce qu'il faut faire, c'est quoi? Choisis seulement des certains choix. Pardonne-nous autres. Comme nous pardonnons aussi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous pardonnons aux autres? Verzeihen wir den anderen. Est-ce que nous pardonnons aux autres? Verzeihen wir den anderen. Est-ce que nous pardonnons aux autres? Mais il nous faut pardonner aux autres. Ah, wir müssen si tu fais ça, tu as maintenant la nature de la vraie épouse de Jésus. Hast du die Natur, tu as la nature de Dieu. Der wahren Gattin. Alléluia. Aime ton prochain comme Liebe deinen Nächsten, wie du dich selbst. Comme
C'est beau de dire. Es ist gut, es zu sagen. Aime ton prochain comme. Liebe deinen Nächsten. Et si tu t'aimes toi-même, si tu aimes pour te pardonner, il faut aussi faire quoi? Musst du auch verzeihen. Et la guerre est là. Und da ist der Kampf. Mais Satan c'est un menteur. Aber der Teufel ist ein Lügner. Le Christ vit en toi. Der Christus lebt in dir. Et il te donne cette force là de pardonner. Parce que la nature de Dieu est en toi. Amen. Et tu peux pardonner. Und du kannst choisir. C'est un choix. C'est pas un sentiment, mais c'est un choix de pardon. Aber es ist eine Entscheidung, verzeihen. Pardon, amen. Verzeihen. Faisons l'effort de pardonner. Machen Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui font le mal et qui ne savent pas se repentir. Qui ne savent pas demander le pardon. Mon frère, tu vas rencontrer les gens comme ça. Et encore malheureux dans l'église. Les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, qui font mal et qui ne savent pas s'humilier, qui ne savent pas demander le pardon, c'est terrible. Ce n'est pas l'esprit de Jésus. L'esprit de Christ est l'esprit d'humilité. L'humilité précède quoi? L'humilité précède quoi? La gloire. L'esprit de Jésus, c'est l'esprit d'humilité. Si tu te dis que tu es chrétien, tu es encore plus un serviteur. Tu fais mal, tu ne sais pas demander le pardon. Tu as un problème, on doit te délivrer. Il y a un problème en toi. Parce que l'esprit de Christ, ce n'est pas l'esprit d'orgueil. L'esprit d'orgueil, c'est l'esprit qui dit non, je ne peux pas m'humilier. Moi, l'humilier, jamais. Ça, c'est le diable qui agit encore en toi. La chair. Die Haut. Mais l'esprit de Christ, aber der Geist Gottes, humilité. Amen. Hein? Amen. Laisse que l'esprit de Christ habite en toi. Si tu as l'esprit de Dieu, que ça sorte aujourd'hui au nom de Jésus. Laisse que l'esprit d'humilité entre en toi au nom de Jésus. Je le déclare maintenant. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas l'esprit de Christ l'orgueil. L'orgueil, la rébellion, ce n'est pas l'esprit de Christ. Peu importe comment tu défends ça, s'il y a vraiment quelqu'un qui demande la délivrance, parce que l'esprit de Christ, c'est l'esprit d'humilité. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'humilité. Tu ne sais pas demander le pardon quand tu fais mal. Quel genre de serviteur tu es? Quel genre d'enfant de Dieu tu es? Alors, le problème est que quand tu ne demandes pas le pardon quand tu as fait mal, les gens ont du mal à te pardonner. On va te pardonner. Tu as fait mal. On a vu que tu as fait mal. Et tu ne t'humilies même pas. Tu ne veux pas t'humilier. L'orgueil, moi je connais. J'ai raison. On te dit mon frère, ma soeur, tu es dans le mal. Du bist im On va te pardonner comment? Wie soll man dir verzeihen? Tu auras le pardon comment? Wie wirst du eine Vergebung erhalten? Oh, le pardon ouvre les portes. Alléluia. Amen. Le pardon ouvre les portes. Le pardon commence, c'est le commencement de la construction de la confiance. Die Vergebung ist der erste Schritt zur Aufbildung des Vertrauens. On commence à te faire confiance. Mais quand tu es comme ça, nous tous on va faire ça. Lui là, il n'est pas digne. Ah. Der ist es nicht. Il n'est pas digne de faire le ministère. Der il n'est pas digne qu'on lui donne ça. Il n'est pas digne qu'on lui donne ça. Parce qu'il est hors. L'orgueil précède quoi? La chute. La chute. Oh, les gens là sont mauvais. L'église, il n'y a pas d'amour. Quel amour? L'église a l'amour. C'est toi le problème. Humilie-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Amen. Ne dis pas mon père, ma femme, ma mère, ma tante, mon tel. Il est mauvais. Commence à te sonder toi-même. Est-ce que tu comportes comment en tant que chrétien? Est-ce que tu es humble? Est-ce que tu te réponds? Est-ce que tu demandes le pardon quand tu fais mal? Les gens vont te pardonner comment? Wie sollen die Menschen dir dann verzeihen? Les gens ne sont pas mauvais. Et die Dieu Menschen c'est toi le problème. La vie chrétienne, c'est ça. Frères et sœurs, les gens ont développé une vie chrétienne die très Menschen sale haben ein sehr dans le monde aujourd'hui. Christliches Leben weiterentwickelt in dieser Welt. De l'orgueil, de je ne sais pas comment. Bon, on doit accepter ça, ça ne marche pas. Ça, ce n'est pas Jésus. Aber das ist nicht Jesus. La vraie vie chrétienne, c'est ce que das wahre christliche Leben, et das pardonner, sage, il faut choisir. Und vergeben ist eine Entscheidung, die man et puis nous devons nous humilier. Und wir müssen quand uns on fait mal, humilie-toi. Wenn wir schlechtes machen, bitte um Vergebung. C'est la porte qui va s'ouvrir. Das ist die Tür, die sich öffnen wird. Oh, il est mauvais. Il n'a pas d'amour. Non, c'est pas question d'amour. Il n'a pas Liebe. Nein, du bist das Problem. Mais je vous fais confiance qu'en vous, il y a l'Esprit de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous pouvez appeler pour vous-même?
könnte für euch selbst abrufen. Et je prends l'autorité sur l'esprit de rébellion, l'esprit d'orgueil. Au nom d'aujourd'hui de sortir de vous. Maintenant, amen. Je déclare cela. Parce que c'est par l'autorité de la parole de l'onction que Dieu m'a donnée que je dois proclamer en vous afin que vous soyez délivrés dans le nom de Jésus. Soyez délivrés au nom d'aujourd'hui. Toi, l'esprit de rébellion, sors maintenant. Toi, l'esprit d'orgueil, sors dans le nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez mettre debout? Mais Dieu peut pardonner le péché si je confesse, si je me réponds. Retenez cela. Il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pardonner. Es gibt keine Sünde, die Gott nicht verzeihen kann. Si tu confesses, wenn du bekennst, il dit si vous pouvez confesser vos péchés, sagt, wenn ihr bekennt, il est juste et fidèle pour pardonner tous vos péchés. Er ist aufrichtig und treu, um eure Unvollkommenheiten zu vergeben. Machen wir uns klein. Demandons le pardon. Bitten wir um Vergebung. Repentons-nous. Bekehren wir. Si tu as fait quelque chose il y a 5 et 10 ans, un péché secret, Geheimnis, was aber et tu dis que Dieu ne peut pas me pardonner. Und es heißt, Gott kann mir nicht verzeihen. Il dit que si vos péchés, même s'ils si devenaient rouges, je peux le rendre blanc comme neige. Parce qu'il y a les boucs qui ont donné la vie pour toi. Qui ont donné la vie pour toi. Je demanderai que quelqu'un élève sa voix. Et que nos fois de louange viennent conduire. C'est le temps. Les jours de Yom Kippour, donc Yom Kippour, c'est les temps, les jours des expiations. Chacun de nous va maintenant s'ouvrir devant Dieu, répandre son cœur devant Dieu, dit pardonne-moi. Dieu pardonne-moi. C'est le jour où les gens pleurent, c'est le jour où les gens gênent, c'est le jour où les gens ouvrent leur cœur, dit pardonne-nous Seigneur, pardonne-nous. Et si Dieu pardonne, vous avez la vie. Vous avez le mariage. Vous avez la santé. Vous avez le travail. Vous avez la finance. Vous avez l'élévation. Vous avez les portes ouvertes. Vous avez le ministère. Parce que Dieu a pardonné. Parce que les portes sont ouvertes. Parce que les péchés ont été expiés. Parce que quelqu'un est mort à votre place. Parce que vous avez été pardonné. Demande à Dieu. Élève maintenant ta voix. Élève maintenant ta voix, Seigneur. Mon frère, là où tu ne fermes pas la bouche. Les jours de les expiations, ce n'était pas les jours où les gens fermaient les bouches. Parce que tout le monde pleurait pour que Dieu pardonne. Pour que le pardon soit accordé. Le monde est mauvais, méchant aujourd'hui. Trop de méchanceté, trop d'orgueil, trop de la rébellion. Trop de choses. Mais la vraie vie chrétienne, c'est en Jésus-Christ. Tu dois être pardonné. Élève ta voix. Tu ne dois pas garder la haine, la colère contre quelqu'un qui ne t'a rien fait parfois. Et même s'il t'a fait quelque chose, l'homme dit pardonne. Le pardon, c'est un choix. Ce n'est pas un sentiment, c'est un choix. Pardonne mon frère, ma soeur. Lâche cette personne. Recommande-le entre les mains de Dieu. Recommande les gens là entre les mains de Dieu. Et toi, reste libre. Pardonne quelqu'un. Que Dieu te pardonne. Mon frère, nous allons élever nos voix, nous allons prier. Et quand tu es pardonné, tu as la liberté. Tu as la délivrance. Tu as la joie. Tu as la joie. Tu as la vie. Sors de toi. Sors de ton cœur. Sors de ton cœur. Sors de ton cœur. Jésus veut te bénir. Les bénédictions sont là pour toi. Les bénédictions sont là pour toi. Les bénédictions sont là pour toi.
péché devenir rouge comme le cramoisi. Il dit, je peux le rendre blanc comme la neige. Il pardonne nos péchés. Yom Kippour. Le temps des expiations. Dieu, c'est un Dieu qui veut te bénir. Le pardon du péché ouvre la porte aux bénédictions. Et tu es blanc devant Dieu. Dieu ne te voit plus dans tes péchés, mais il te voit au travers de Jésus. Tu es propre devant lui. Mais que Dieu te bénisse. Laisse que tu sois guéri. Laisse que tu sois délivré. Laisse que tu sois béni. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.